Vidéo aujourd'hui, c'est comment pour désactiver un avertissement sur TikTok. Correctement, nous allons montrer comment vous faire ça rapidement pour retirer un avertissement sur TikTok. Correctement. Pour nous faire ça, nous allons sur TikTok avec vous sans barrière. On a ouvert TikTok. Ok, là, je vais cliquer sur moi pour faire le en bas. Ok, on va regarder là, nous avons un avertissement. Pour retirer l'avertissement, ça qui soit, faut cliquer sur trois petits barres ici là. On va cliquer sur paramètres et confidentialité. Et puis le vélo descend en bas. On va pouvoir marquer signal in problème. On va cliquer sur lui. Et puis le vélo, on va chercher là, on va marquer première lettre, on va marquer. On va marquer compte et profil. On va cliquer sur lui. Et puis on va chercher page de profil. On va cliquer sur page de profil. Et puis l'arrivé là comme ça, l'arrivé là comme ça, on va cliquer sur le côté qui dit autorité en bas. Et puis l'arrivé là comme ça, on va descendre et on va cliquer sur non. On va cliquer sur non là et puis on va cliquer sur besoin in aide supplémentaire. On va cliquer sur lui. Et puis là, il y a comme ça, là, il y a une page, ça va comme ça. Là, il y a une page, ça va comme ça. Quand on va cliquer dans l'étape, ça y est là, on va cliquer là. Vous pouvez noter qu'on a fait un screenshot, on va faire un screenshot de l'écran pour votre photo profil. On va être capable aussi de faire un petit bout de vidéo sur l'écran. On va cliquer sur vidéo là pour aller un petit bout de vidéo. Même conseil, on prend photo à vidéo, on fait un screenshot photo écran côté le marqué avertissement. Et on va cliquer là comme ça, on va cliquer sur photo là. On va aller dans la galerie. Ok, quand on va prendre une shot là. On va prendre une shot là, déjà y mettre là. On a profité de mettre une shot là. On va cliquer là, on va écrire problème ou gagner. On va demander TikTok aide pour capable de bloquer le compte pour capable de supprimer avertissement pour et besoin pour capable écrire le message. D'accord, ça. Lorsqu'on écrit le message, ça qui soit faire, on va venir cliquer sur envoyer. Et vous finissez sur envoyer là. Et puis tout bas, ok. Là, pour nous, dans 3 jours comme ça. Mais on ne dit pas dans 3 jours depuis 24 heures comme ça. Là, on va pour nous. Depuis mes saïwa à l'école, même plus conseillé, pas écrit en créole, écrit en français, en anglais, ou en anglais, même si ça n'est pas un anglais à la réponse, on vit avec toi. Ok, mais c'est la limite de la vidéo. Ciao, ciao, bonne vidéo encore. À la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.